Salut, on est déjà dans la deuxième vidéo sur le swing. Donc dans la première vidéo, on a vu le ressenti rythmique, la conscience du débit des triolets pour le swing. Donc vous avez peut-être pu travailler ça. Voilà, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer plus sur ce que j'ai appelé la culture du jazz, le phrasé et le langage, et en fait pour swinguer. Et en fait, pour ça, tout simplement, moi je conseille un truc très simple, c'est d'écouter les big bands. Effectivement, je pense que la culture du big band, quel que soit votre instrument, que vous soyez dans la rythmique, piano, basse, batterie, guitare ou un soufflant, je pense que ça va vraiment être une musique importante à écouter pour prendre conscience de tout ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant, le placement rythmique, voilà, la conscience de la croche en l'air, etc. Et puis le placement de cette croche qui peut être un petit peu phrasée aussi différemment, un petit peu plus loin, un petit peu en avance, etc. C'est tout un langage. Donc le meilleur moyen pour faire ça et pour essayer d'assimiler ça, c'est effectivement d'écouter du big band, donc Count Basie, Duke Ellington, Sad John Smell Lewis. C'est les trois que je vais montrer un petit peu aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Il y en a des plus anciens encore. Je vais me concentrer sur ces trois-là qui sont les plus connus, entre guillemets. Hein. Mais évidemment, n'hésitez pas à aller chercher par vous-même plus loin. Alors la deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser à la musique de big band, c'est que la place du batteur y est prépondérante et très importante, vraiment mise en valeur, hein, voilà, comme dans le big band de Mel Lewis, Sad Jones par exemple. Mel Lewis a vraiment un rôle incroyable. Tous les batteurs du big band, c'est une place vraiment primordiale. Et donc ça va nous intéresser parce que comme je le disais dans la première vidéo, il faut toujours avoir le batteur derrière, imaginer le shabada, les riffs, les breaks, etc. sur la caisse claire. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Voilà, donc en écoutant du big band, vous allez être vraiment confronté à ça parce qu'on va entendre le batteur amener tous les riffs, tous les tutis, etc. Donc c'est ce qui rend intéressant aussi cette écoute et ce travail-là. Ok, donc ce que je propose, c'est qu'on écoute un peu ensemble quelques extraits de Big Band et puis qu'on regarde ce qui se passe. Donc déjà, pour commencer, on va s'écouter un petit peu Cute de Count Basie. Cute de Neil Hefti plutôt, mais joué par le Big Band de Count Basie. Donc ça fait ça. Thank you.
Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est en fait d'écouter le phrasé qui est utilisé par l'orchestre et d'essayer d'imiter ça. Donc, la première phrase. Donc, on voit que ça commence sur le E de 1, légèrement accentué. Puis après, il y a deux noirs piqués. Puis, croche pointée, noir pointé, pardon, noir pointé, croche. Voilà. Donc si je le joue un petit peu moins vite, ça pourra donner ça. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Donc là, moi, ma démarche, mon travail, ça va être d'écouter déjà, de m'imprégner de cette musique, et puis d'essayer d'imiter effectivement les phrasés du big band. Ça n'aurait pas du tout été la même chose si j'avais joué court la première et long, enfin lié, les deux noirs d'après. Ça aurait donné ceci. 1, 2, 3, 4. Bon, je suis beaucoup plus lent, mais l'effet n'est pas du tout le même. Ici, on a vraiment un rebond avec les notes piquées qui participent du fait que le tempo est un peu rapide et ça danse, etc. Donc c'est chouette. Donc ça fait ça. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Donc deuxième exemple avec un autre morceau sur le même album. Ça s'appelle Diner with Friends. Et c'est un morceau rapide et c'est super. Et ça fait ça. Voilà, donc là c'est super. Aussi pour le phrasé, donc voilà, c'est un débit de phrasé en croche avec les pêches à la trompette. Donc ça fait ça. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la pêche qui va se retrouver sur la syncope juste après le thème. Donc, si on le fait un peu plus vite, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Donc, un petit détail que je veux rajouter, c'est que sur ce genre de tempo, moi, je pense vraiment à la blanche. J'ai mon pied qui bat le 1 et le 3, absolument pas le 2 et le 4, hein, parce que ça c'est la meilleure façon de se décaler ou voilà, de tendre, de rendre le jeu tendu. Donc faut vraiment le balancement à la blanche. Bien assis dans la terre. Donc ce que vous pouvez vous entraîner éventuellement avec cet exemple-là, c'est de jouer, essayer de jouer les pêches en même temps que les trompettes, comme ceci. Entraîner à placer ça, à le sentir et à sentir le rebond. Et puis voilà, c'est un très bon exercice. Donc un dernier exemple pour Bézi avec un morceau que j'adore qui s'appelle Midnight Blue. C'est un blues assez lent avec un riff récurrent et là c'est assez incroyable. Donc là je vous propose d'écouter un petit peu, puis voilà, juste se laisser porter par le phrasé, notamment des trompettes. Et soyez attentif également au jeu du batteur, comment il va amener le deuxième tutti. Thank you.
Donc là, à la fin, on voit vraiment que ça joue vraiment au fond du temps. Donc c'est assez incroyable. Et on entend bien effectivement les relances de batterie. Donc vraiment, inspirez-vous de ça pour phraser ternaire. Donc là, ils ont vraiment joué au fond du temps, comme ceci. Donc là, je pense vraiment, comme je disais dans la dernière vidéo, et ils peuvent le tirer un petit peu encore plus derrière. Vraiment le penser au fond du temps. C'est un peu toute la difficulté de cet MP-là. C'est d'arriver à rebondir tout en essayant d'être vraiment, vraiment installé au fond du temps, de quand même garder le swing et de rebondir. Et c'est pourquoi c'est un orchestre incroyable. Voilà, donc juste pour le plaisir, on va se remettre la fin parce que c'est vraiment incroyable. Tout est génial en fait dans ce morceau. Les deux coups de caisse claire juste avant la dernière phrase là, cela, c'est incroyable. Boum boum, on sent vraiment le jeu au fond du temps. Donc voilà, ayez une écoute attentive parfois quand vous écoutez les morceaux. Je vous remets juste la phrase dans son entier parce que c'est trop bon. Donc c'est incroyable. Donc voilà, moi je suis capable d'écouter ce passage 55 fois peut-être, juste parce que c'est trop bon. Voyez, c'est pas forcément... Là, je parle vraiment d'écoute et vraiment de prendre du temps pour ressentir les choses, essayer de comprendre comment ça se déroule, chanter, phraser. C'est pas forcément un travail sur l'instrument obligatoirement. Voilà, c'est génial. Ok, en fait, on va s'en tenir là parce que la vidéo fait déjà 15 minutes. Donc, je voulais parler de Duke Ellington aussi et de Sgt. Lewis, comme vous avez vu au début de la vidéo. La prochaine fois, on continue là-dessus. Surtout, travaillez bien. Donc ça, le swing, écoutez du jazz, écoutez des big bands et surtout, évidemment, régalez-vous. Ciao, à la prochaine !